Vous avez pu remarquer que depuis le début de l'année, à chaque fois qu'on crée une sauce, elle est un tout petit peu plus compliquée. Et je deviens un petit peu plus exigeante. Comme avec la sauce compte, je vous ai demandé de prendre en compte plusieurs critères, comme commencer obligatoirement par les têtes une fois, ça je vous félicite, tout le monde l'a fait. Très bien. De faire en sorte qu'il y ait un gentil et un méchant. Et vous deviez absolument faire une description physique et ou morale du méchant ou du monstre pour montrer justement que c'est un monstre. Ça, par contre, ça manquait à certains moments pour certains. Et enfin, je vous avais dit qu'il fallait insérer un petit peu de magie. On avait vu que dans les contes, souvent, la magie était très présente. Donc là, du coup, on a augmenté la difficulté. Là, on va continuer dans cette voie-là. Là, cette fois-ci, on ne va pas faire le tableau où on marque d'un côté ce qu'on garde, ce qu'on doit changer. On va carrément, immédiatement, parler de ce qu'il faut changer. Dans un récit écrit par Homère, qui date de la mythologie, quel est le personnage qui ressort le plus? Comment est-ce qu'on appelle celui qui est mis en avant? Oui. Le héros. Le héros. Donc première chose, on va se concentrer sur les personnages. Et vous allez voir que finalement, ça sera nettement moins compliqué qu'il n'y paraît. Donc il nous faut absolument un héros. Le héros, dans les récits mythologiques, à quoi on voit que c'est un héros? L'autre fait oui. Parce qu'il a fait des exploits. Il a fait des exploits. Et en triomphant, en faisant des exploits, il fait preuve de quoi bien souvent? De courage. De courage. De quoi d'autre encore? Quelles sont ses qualités au héros? Ali? T'as oublié. Oh bah bravo. Même pas une idée qui vient. Si jamais ça revient, peut-être que l'idée tombée par terre, tu me fais signe. Adrien, il est rusé. Donc, rusé, on va essayer d'être plus général après. Et une autre qualité? Tu voulais être un héros? Est-ce qu'il faut avoir des biscottos tout mous? Non? Océane? Voilà, il fait preuve de force. Donc du coup, quand on fait preuve de ruse et qu'on arrive à piéger les méchants, sans recourir à la force, on fait preuve de quoi? D'intelligence. Vous vous souvenez quand on avait étudié l'extrait avec le cyclope? Est-ce que à ce moment-là, Ulysse a fait preuve de force physique? Non, il a rusé. Non, du coup, il a cette fois-ci pas fait preuve de force, mais par contre, il a piégé le cyclope. Parce que quand on compare le cyclope et Ulysse, qui est-ce qui est censé gagner si on compare la force? Oui, c'est le cyclope. Vous vous souvenez, on avait dit qu'il était extrêmement grand par rapport aux autres personnages. Donc Ulysse et ses compagnons, on avait même dit qu'il arrivait à les attraper à une main, à les manger comme ça. Donc ça prouve clairement que au niveau de la force, ils n'étaient absolument pas sur le même pied d'égalité. Donc du coup, le seul moyen pour Ulysse de s'en sortir, c'est de ruser et de faire preuve d'intelligence. Donc du coup, la force, c'est tout ce qui a à voir avec le physique. On a vu quelque chose d'important la semaine dernière, d'ailleurs je vous avais demandé de faire un petit exercice là-dessus, je vous avais demandé de créer quelque chose avec votre prénom. Vous vous souvenez comment ça s'appelle, Boubacar? Des épithètes homériques. Voilà, des épithètes homériques. Est-ce que vous pensez que c'est judicieux ou pas d'utiliser un épithète homérique pour qualifier le héros ou pas? Oui. Oui, donc du coup ce serait votre mission. Donc du coup, je vous demande pas de le faire à chaque fois que vous nommez votre personnage, mais au moins une fois, et à un moment stratégique. À quel moment est-ce que c'est stratégique d'utiliser un épithète homérique? Oui. Quand il est sur le point de gagner. Voilà, et il faut faire attention. La qualité que vous voulez mettre en avant dans l'épithète homérique, il faut qu'elle ait un rapport avec ce que votre personnage est en train de faire. Si maintenant vous marquez, je sais pas moi,
Souris Mimi, la rusée, et qu'elle est en train de montrer ses biscottos aux méchants, est-ce que ça a un rapport les deux? Non, donc faites attention, l'épithète homérique doit bien illustrer la qualité dont fait preuve le personnage. Quand on regarde notre histoire sans sauce, quel personnage s'impose naturellement comme un héros? Quand on repense à ce que Ali nous a lu avant, qui s'impose naturellement comme un héros? Oui. Souris Mimi. Alors, il n'y a aucune obligation à choisir Souris Mimi. Après, je pense qu'on est d'accord, si vous voulez être stratégique, le plus facile, c'est de prendre Souris Mimi. Parce que si vous commencez à choisir un autre personnage, qu'est-ce que vous risquez de faire par rapport à l'histoire de départ? De la changer, de tout inverser. Et vous risquez de vous embrouiller, donc ne cherchez pas la complication. Là, Souris Mimi s'impose naturellement comme un héros. À vous de le montrer clairement. Parce que finalement, dans l'histoire sans sauce, le problème qui se pose, c'est qu'elle triomphe de Ratatak grâce à l'aide de Shakira. Donc, elle fait pas forcément... Comment ça? Oui, mais dans l'histoire de départ, c'est le cas. Si elle triomphe de Ratatak, c'est uniquement grâce à l'aide de Shakira. Donc du coup, faites en sorte quand même que Souris Mimi s'impose comme un héros, qu'elle accomplisse des actes héroïques. Parce que dans notre histoire de départ, ce n'est pas le cas. Donc ce sera à vous de le transformer pour qu'on voit clairement que Souris Mimi est devenu un héros. Oui. Il faut un méchant. Il faut un méchant. Alors on avait vu qu'on ne disait pas forcément un méchant dans la mythologie, mais hein, c'est qu'on se parle la même lettre en plus, qu'il y a un monstre. Quand on a étudié des textes, vous avez remarqué que les monstres ont une apparence physique assez particulière. Souvenez-vous du cyclope dont je vous parlais juste avant, il est géant, il a un unique œil au milieu de son visage. On avait vu une chose qui était très importante dans le texte. Donc si vous avez un trou de mémoire, n'hésitez pas à vous servir des textes qu'on a vus ensemble. On avait vu une chose importante, c'est que le cyclope, il était monstrueux par son apparence. Donc il y avait une description claire qui montrait que le cyclope était véritablement un monstre terrifiant par son apparence. Et on a vu qu'il était monstrueux aussi par rapport à quoi, Ali? Son comportement. Son comportement. Vous vous souvenez les termes qui étaient utilisés? Tu t'en souviens, Maëlle? Alors ça, c'était l'épithète homérique que Kaina avait trouvé. Mais effectivement, ça correspondait très bien à l'extrait qu'on avait lu. Oui. Déchiré, écrasé, déchiqueté. Donc on voyait que même dans son comportement, le cyclope était méchant. Et d'ailleurs, vous voyez une chose qui est importante aussi. La description morale et physique. Est-ce qu'on l'a uniquement travaillée dans cette séquence sur la mythologie? Non, on l'avait travaillée dans laquelle déjà? Celle des contes. Celle des contes. Donc vous voyez que finalement, les critères que vous voyez dans certains chapitres peuvent vous servir aussi dans d'autres. Et ça, c'est souvent le défaut. Vous oubliez que des choses que vous avez vues à un moment de l'année, on peut le réutiliser régulièrement. Donc là, vous pouvez très bien utiliser la leçon qu'on avait faite sur la description. On avait vu comment bien organiser une description, qu'il fallait absolument partir du haut vers le bas et pas commencer à parler des petits orteils du monstre, ensuite de ses grandes oreilles, etc. Il fallait organiser votre description pour que votre lecteur puisse s'imaginer mentalement à quoi ressemble votre monstre. Est-ce que vous pensez que c'est judicieux de créer aussi d'autres épithètes homériques pour décrire le monstre? Kathleen? Oui, donc à nouveau, vous devrez créer des épithètes homériques. Donc du coup, qui s'impose naturellement comme un monstre dans notre histoire sans sauce? On dit oui. Ratatak. Et rien qu'avec le nom. On l'avait fait exprès d'ailleurs quand on avait créé la sauce, on entend quoi dans Ratatak? Attaque. Attaque. Donc vous avez vu que finalement on a été extrêmement stratégique en début d'année en choisissant Ratatak. Hein. Mais il nous reste un personnage. Il manque qui? Ovaka? Il manque Shakira. Alors, quel rôle on pourrait lui donner à Shakira? Oh, quel enthousiasme. Kathleen, vas-y. La colique du héros. Exactement. On avait vu que la particularité d'Ulysse, c'est que c'est un héros, mais c'est ce qu'on appelle un héros collectif. C'est-à-dire qu'il a besoin de compagnons dans sa quête. Donc du coup, bah, Shakira s'impose naturellement comme un compagnon. Le compagnon, est-ce qu'il a un rôle plus important ou moins important que celui du héros? Kylian? Moins important. Alors, dans les récits qu'on avait vus, les compagnons sont assez nombreux. Vous vous souvenez, quand on avait vu le passage avec le cyclope, il a eu le temps d'en dévorer pas mal, il en restait encore beaucoup après. Donc là, vous avez deux possibilités. Soit vous choisissez
Shakirira accompagné d'autres compagnons dont vous ne donnerez pas le nom, soit il n'y a que Shakirira. C'est à vous de voir. Mais du coup, ce qui est extrêmement important, c'est que Shakirira ne doit pas faire de l'ombre à votre héros. Mais il doit quand même l'aider. C'est quand même une aide pour le héros. Oui, Kelly. Est-ce que, par exemple, les compagnons, on peut mettre dans toute l'histoire, enfin, ils peuvent être... Oui, vous pouvez. Bien entendu. Parce que les compagnons, est-ce qu'ils apparaissent tout d'un coup juste quand Ulysse a besoin d'aide? Non, ils sont avec lui dès le départ. Vivent les aventures d'Ulysse avec lui. Sauf que bien entendu, comme c'est Ulysse le personnage principal et le héros, c'est lui qu'on met le plus en avant. Mais les compagnons sont toujours avec lui. Vous pouvez vous inspirer d'autres héros. Hein. Parce que finalement, avec les exposés qu'on a déjà commencé la semaine dernière et qu'on continuera toute la semaine, vous pouvez vous inspirer d'autres personnages. Comme pour les monstres par exemple. La semaine dernière, on a eu un exposé sur les sirènes, donc pour les monstres, et on a eu un exposé aussi sur Hercule pour les héros. Donc vous avez le droit de vous inspirer d'autres héros de la mythologie. Il n'y a aucune obligation de suivre uniquement le modèle d'Ulysse. Quels sont les autres critères ou les autres changements qu'on doit prendre en compte pour que notre histoire de départ, donc notre histoire sans sauce, devienne une délicieuse et savoureuse sauce Homère? Est-ce que vous voyez autre chose? Oui. Bah le monstre aussi il peut avoir un acolyte. Il peut, oui. Vous avez le droit de créer d'autres personnages. Donc ça on peut le marquer à la limite. Vous avez la possibilité de créer d'autres personnages, mais quel est le risque si vous mettez trop de personnages? Mal. Vous risquez de les mélanger. Voilà, vous risquez de les mélanger, vous risquez de perdre aussi votre lecteur, parce que s'il y a trop de personnages, à un moment votre lecteur il saura plus qui est quoi et qui fait quoi. Donc moi je vous conseille quand même de vous restreindre à ces trois personnages là. Éventuellement, vous pouvez rajouter des compagnons qui accompagnent Shakirira. On a vu quelque chose d'important dans ce chapitre, donc du point de vue de la grammaire. Il y a des petits mots qu'on peut mettre dans vos phrases qui permettent d'ajouter des informations par rapport à un nom. Ça s'appelle comment ça? Bah alors? Oui. Précise. Voilà. Donc moi, j'aimerais absolument, c'est votre seconde mission après le changement au niveau des personnages, utiliser des adjectifs qualificatifs. On a vu que c'est extrêmement important. Le fait d'ajouter des adjectifs ponctuellement, ça rajoutait des informations sur les personnages. Donc si vous voulez que votre lecteur imagine clairement et précisément vos personnages, leur apparence, leur comportement, ce qu'ils font, etc., pensez aux adjectifs qualificatifs. Donc du coup, autre critère à prendre en compte. Là, on va parler, deuxième étape, du contenu. Si je fais des fautes, on ne va pas aller bien loin. Du contenu de votre sauce. Donc du coup, première chose, utilisez de magnifiques et merveilleux adjectifs. Faites attention à une chose, souvent on a tendance à répéter le même adjectif du début jusqu'à la fin. Est-ce que c'est intéressant pour votre lecteur, ça? Qu'est-ce qu'on fait quand on constate, en regardant son brouillon, que le même mot apparaît 70 fois? Oubakar? Tu enlèves et tu mets quoi? Est-ce qu'on peut remplacer un adjectif par un pronom? Non. Donc ça, on l'a pas revu encore, mais un pronom, ça remplace un nom. C'est pour ça qu'il y a un nom dans le pronom. On va changer un petit peu, Adrien. Très bien. Si vous n'avez pas de dictionnaire de synonyme à la maison, c'est pas grave. Il y a un outil absolument incroyable et merveilleux qui s'appelle... Internet. L'ordinateur et Internet. Vous tapez juste dictionnaire de synonyme en ligne et vous tombez sur synonyme.com qui est extrêmement bien parce que c'est bien beau d'utiliser des synonymes. Pour n'importe quel mot, que ce soit des adjectifs, des verbes, des noms, etc. Mais souvent, on l'avait vu ensemble quand on avait fait les synonymes en début d'année, il y a une nuance entre les synonymes. Si maintenant je vous dis « beau », mais que le synonyme c'est « joli », est-ce que « beau » et « joli » sont aussi forts l'un que l'autre? Non. Donc faites attention, des fois il y a des petits changements. Donc l'avantage de ce site-là, c'est que du coup vous pouvez en fait voir dans quel contexte on l'utilise. Donc si vous voyez que vos adjectifs se répètent, par pitié, pensez aux synonymes. Et surtout, et je vais mettre un panneau, attention. Il est même faire des petites lumières autour pour attirer votre attention. On accorde bien l'adjectif avec le nom. Est-ce que vous voyez d'autres critères aussi? C'est pas grave, Thomas, tu vois. Rien d'autre. Je vais te mettre sur la piste d'une idée que j'ai. Alors, si maintenant... Je suis un élève, tu es professeur, on va inverser. Donc je te donnerai des copies à la fin de la journée à corriger pour demain, d'accord? Alors, je te rends ma sauce Homère, et je vais te rendre un paragraphe géant. Qu'est-ce que tu vas me dire?
quand tu me corrigeras, en voyant un énorme et unique paragraphe, qu'est-ce que tu me conseilleras de faire? Est-ce qu'on peut laisser un unique paragraphe pour faire une rédaction? Non. Qu'est-ce qu'il faut faire du coup? Tout simplement. Oui, donc il faut en faire, tout simplement. Plusieurs. On fait attention à ça. Tu vois, parce que attends, on y arrive à quitter deux. Donc il faut faire plusieurs paragraphes. C'est extrêmement important, les paragraphes. Et on a tendance à croire que c'est quelque chose de très difficile. Certains en ont fait dans leur sauce compte. Et très bien, d'ailleurs. Donc je suis très fière de ceux qui ont réussi. Les autres, si vous n'y arrivez pas, c'est pas grave. Ce qui est important, c'est qu'en fait, un paragraphe égale une étape de votre histoire. Donc à chaque nouvelle étape, qu'est-ce qu'on fait? À la ligne et en fin de vos paragraphes. Oui. Mais est-ce qu'on peut faire, par exemple, des chapitres? Des chapitres? Tu peux. Mais normalement, dans les récits mythologiques, un chapitre égale une aventure avec un monstre. Ah oui, c'est vrai. Voilà. Donc moi, je te conseillerais plutôt... Mais enfin, parce qu'il y a des... Enfin, dans mon conte, moi, j'ai fait des chapitres. Dans un conte, ça s'y prête. Mais par contre, dans un récit mythologique, sauf si maintenant... Dans un second chapitre apparaît un autre monstre. Là oui, mais finalement, c'est pas ce que je vous demande. Simplement, ne vous compliquez pas la vie, vous faites des paragraphes. Et je sais que vous savez faire de beaux paragraphes. Et vous savez même utiliser des petits mots très importants dans un paragraphe. Oui. Les indicateurs de temps. Oui, je pense à autre chose. Ça commence par un C. On va voir qui écoute ton histoire. Mathieu, est-ce que tu écoutes ton histoire? Oh, une hésitation. Alors, je répète la question. Quels sont les petits mots? Je sais que vous le faites en histoire en plus, donc aucune excuse. Quels sont les mots que vous utilisez quand vous écrivez en histoire, vous mettez en début de paragraphe ou pour lier les... Je vous interroge là-dessus. Je vais te donner un indice. Ça commence par un C pour le premier mot et le deuxième par un L. Décidément, l'amnésie fait beaucoup de victimes dans cette vie. C'est bon, là, vu. Est-ce que tu as entendu? Bon, alors on va demander à Yannis de la côté. Voilà. Donc, vous avez la preuve que ce que vous apprenez dans une discipline peut vous servir dans une autre. Donc, les connecteurs logiques que vous avez appris en histoire, utilisez-les en français. Est-ce qu'il y a des questions pour l'instant? Fatoumata, oui. Oui, on l'avait marqué avant, il me semble, description physique et morale. Vous avez... Oui. Mais du coup... Et très bonne question du coup, parce que je pensais que c'était évident, ça ne l'est pas, c'est pas grave. Quand je vous demande de décrire physiquement Souris Mimi et Ratatat, est-ce qu'on s'attend à Souris Mimi était toute mignonne avec son pelage tout doux, tout blanc, alors que Ratatat avait de grandes oreilles, un grand nez pointu. Est-ce qu'on s'attend à ça? Est-ce que ça fait mythologique? Est-ce que c'est digne des récits d'Homère? Par contre, ce que vous pouvez faire, c'est de faire un être hybride. Donc hybride, c'est-à-dire mélange de plusieurs choses. Donc, prendre à la limite, voilà, comme le centaure, prendre à la limite un élément caractéristique du rat, que pour le monstre, hein, on est bien d'accord, un élément caractéristique du rat et le mélanger à un monstre de la mythologie. On peut imaginer par exemple un rat sirène, ou un rat cyclope, ou l'hydre de Lerne. On peut imaginer du coup, au lieu d'avoir des têtes de dragon, d'avoir des têtes de rat. À vous de voir. Il faut qu'on voit clairement que votre monstre est inspiré de la mythologie. Si vous me dites juste que c'est un gros rat tout velu, avec à la limite quelques muscles et des grosses dents pointues, est-ce que ça fait mythologique? Non. Est-ce que vous voulez qu'on précise pour vous en souvenir? Il faut absolument que votre monstre fasse mythologique. Est-ce qu'on peut faire, par exemple, un rat sirène avec un cyclope? Ah, là, tu fais beaucoup de mélanges, là. Un rat sirène avec un seul œil. À la limite, mais... Ne partez pas dans l'exagération. Si vous mélangez plein de monstres, là, si vous mettez tous les monstres dans une boîte, puis Ratatat, vous secouez, et ça donne un truc bizarre avec 3 jambes, 17 oreilles. Voilà, faites attention. Est-ce que, par exemple, pour notre jeu mythologique, on va inventer un titre? Par exemple. Oui, vous pouvez. Je suis obligée.
C'est pas obligatoire. Les tiges, je ne vous les impose pas, sauf quand, du coup, j'estime que c'est un critère primordial pour la sauce. Là, dans l'immédiat, j'estime que ça ne l'est pas. Vous voulez en mettre un, vous en mettez un. Vous ne voulez pas, bah, c'est pas grave. Ocean, oui. Et madame, est-ce qu'on peut mélanger, par exemple, un rat avec un animal ou quoi? S'il est mythologique, oui. Est-ce que, pour la description, par exemple, du monstre, est-ce que, à la fin, par exemple, de notre récit, oui, est-ce qu'on peut faire le dessin de... Oui, vous pouvez. Vous avez le droit d'illustrer votre sauce. Sachez juste que si vous l'illustrez... Est-ce que c'est ça que j'évalue l'illustration? Non, c'est le contenu même de votre sauce. Par contre, si vous avez envie d'égayer votre travail en rajoutant des illustrations, vous avez tout à fait le droit. Mais pensez d'abord à la priorité qui est d'écrire votre sauce. Est-ce que, par exemple, on peut prendre un animal quelconque? Oui. Par exemple, un chat? Oui. Et le mélanger, par exemple... Chut, Boubacar. Et le mélanger avec quoi? Et le mélanger avec un être mythologique? Oui. Mais c'est ce que vous devez faire justement. Donc, le monstre doit ressembler à un monstre de la mythologie, par exemple. Par exemple, si il est humain, et si par exemple il va avoir des mains charnues? Bah du coup, est-ce que ça reprendrait un personnage de la mythologie? Si. Ce que tu peux faire en fait, c'est ne pense pas, C'est une bonne question qu'elle pose Lorena. Ce serait bien d'écouter qu'on n'ait pas besoin de répéter. Et que je ne vois pas cette erreur-là justement dans vos copies. Par rapport aux personnages qu'on a, donc Souris Mimi, Shakirira et Ratatak, ne mélangez pas ces êtres-là avec des humains. Vos animaux n'ont pas besoin d'être des humains. On peut très bien avoir un récit mythologique avec des animaux. Parce que si on change nos animaux complètement, est-ce qu'on va respecter l'histoire de départ? On a décidé de mettre en scène un chat, une souris, un rat. Donc si vous les transformez en humains, est-ce qu'on voit encore le rappel de la sauce de départ? Bah, du coup, Lilian, tu as l'air de savoir. Est-ce que tu veux nous décrire à quoi ressemble rapidement l'hydre de l'herbe? C'est un... Ça ressemble un peu à un... Hein? Ouais, un dragon avec plusieurs têtes. Voilà. Avec une queue. Est-ce qu'il peut avoir ça? Allez, vous commencez les brouillons, on dégaine le crayon de papier. Moi, c'est et on laisse l'inspiration venir. Allez-y. Si tu vois qu'un titre, tu vois qu'il y a un titre à la fin qui a avoir avec la mythologie ou alors avec la formule magique, c'est un peu la.